Bonjour Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Ça veut dire que t'as changé d'avis à mon sujet? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui me défient d'habitude. Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre, moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non? Que la course commence. Enfin! Un défi digne de ce nom. Magnifique. C'était pas prévu. À prendre le coup de main. Tu as progressé, je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible. Je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. On verra bien, n'est-ce pas ? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes. Que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. Encore un vol réussi. Je devrais en informer Monsieur Wicks. Si, je ferai des tours de...
J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolar. Vous avez pu voler? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci. Je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Merci encore, sincèrement. Monsieur Wix et moi-même formons une bonne équipe. Réveillon. Préolar, voilà. Allô, Mora. Réveillon. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolar? Allô, Mora.
Tu es à moi à présent, demi-bise. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Revelio. Revelio. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Revelio. Revelio. Incendio. Revelio. Allô, Mora. Thank you.
Revelio. La dernière fois que j'oublie de noter l'une de mes idées. Revelio. Incendio. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Revelio. Finite. Revelio. Revelio. Revelio.
Revelio. Allô, Mora. Tu es à moi à présent, demi-guise. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Bonjour, tout le monde. Je vois que vous connaissez déjà certaines des nombreuses créatures étudiées dans ce cours. Mais je vous préviens, chacune de ces créatures doit être prise au sérieux. Elles sont toutes à leur façon très dangereuses. Surtout pour une personne qui ne sait pas s'en occuper correctement. Bon, il semble que vous manquiez tous un peu de pratique. Donc, prenons le temps de revoir les bases des soins aux créatures magiques, voulez-vous ? Miss Sweeting, pouvez-vous aider notre nouvelle recrue pour le cours d'aujourd'hui ? Oui, professeur Owen. Bonjour, je suis Poppy Sweeting. N'écoute pas trop le professeur Owen, elle aime bien en rajouter parfois. Toutes ces créatures sont inoffensives. Miss Sweeting, soyez plus attentive. La langue d'un boursouf est particulièrement glissante. Oui, professeur. Tiens. Entraîne-toi avec Gérald. Fais juste attention à sa langue. Tu peux prendre ma brosse. Vas-y doucement. Oh, et pense à des choses agréables. Je trouve que ça enrichit l'expérience. Magnifique. Je suis sûre qu'il se sent bien mieux. Je crois qu'il a faim. Tu veux bien lui donner un peu de nourriture ? Ces boulettes ont quel goût pour Gérald, à ton avis ? Celui du pudding, je pense. Je pense qu'on peut affirmer que Gérald t'aime bien. C'est une bonne nouvelle. Il a l'air gentil. Oui, la gentillesse est l'une de ses plus grandes qualités. Juste après l'ambition. Et l'hygiène. Beau travail, tout le monde. Maintenant, retournons à l'enclos et sélectionnons une autre créature. Et prenez garde en les nourrissant et en les brossant.
Miss Sweeting, voulez-vous bien emmener notre nouvelle recrue voir les flaireurs du dernier enclos? Par ici. Les flaireurs se trouvent juste là. Ah, les moustaches de ces flaireurs devraient au moins me rapporter quelques noises. Enfin, assez pour acheter quelque chose à Onéduc. Ah, quelle sale bête! Ah. Mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tiens, tiens, Poppy la bizarre. Tu t'en fais pour un misérable rongeur? Elle s'appelle Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Ça n'a vraiment rien de drôle. Ah, on y va. Ces deux-là n'ont rien à faire dans ce cours. Des braconniers en herbe. Perséphone l'a tout de suite senti. Merci pour ton aide. Continuons. Tu peux nourrir et brosser les flaireurs, comme tu l'as fait pour Gérald? Les flaireurs se sont bien faits à toi. Ils savent reconnaître les gens bien. Tout comme moi. Le cours est terminé. Veuillez fermer les enclos avant de sortir. Bon, où est notre nouvelle recrue? Ah, vous voilà. J'aimerais vous parler. Bonjour, professeur. Vous vouliez me parler? Tout à fait. Comment avez-vous trouvé votre premier cours sur les créatures magiques? C'était captivant. Je crois que ce cours va beaucoup me plaire. Tant mieux. Vous avez compris que lorsque les créatures sont bien contrôlées, elles peuvent jouer un rôle essentiel dans nos vies. Lorsqu'on en prend soin, certaines nous fournissent des matériaux magiques. Et cela n'implique pas de les torturer. Beau travail, d'ailleurs. Mais la prochaine fois, laissez-moi m'en occuper. Oui, professeur. Ils ne valent pas bien mieux que les sauvages de la meute de braconniers de Rockwood. Et c'est nous qui en pâtissons. On n'arrête pas de tomber sur des créatures mortes. Quel gâchis. Quelqu'un finira par traduire les braconniers en justice. Le ministère, peut-être? Je vous trouve optimiste. Bon, et si nous nous concentrions sur des sujets sur lesquels nous avons la main mise? Le professeur Weasley m'a demandé de préparer quelques devoirs pour vous aider à rattraper les autres cinquièmes années. Veuillez attendre mon hibou. En attendant, je vous conseille d'étudier un maximum de créatures durant votre temps libre. Les créatures heureuses sont souvent généreuses. Enfin, et où sont les lions? Oh, j'aurais tellement voulu voir un énorme lion de Gryffondor au moins une fois dans ce... Tu as besoin de moi, Poppy? Merci encore d'avoir dit quelque chose assez brut. Ça m'a évité d'avoir à le faire. Tel un auguret dans le désert au soleil de midi. J'espère que c'est un compliment. C'est une expression que nous utilisons avec ma grand-mère. On s'en sert pour parler d'une agréable surprise. Enfin, c'est comme ça que nous l'interprétons. Je ne pouvais pas les laisser faire sans rien dire. Les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais te présenter quelqu'un dans la forêt. Tu m'intéresses. D'accord, je te suis. C'est ce que j'espérais. Je voulais garder ce lieu secret,
Tu es la première personne. Vraiment ? Eh bien, merci, je crois. Je te l'ai dit, on pense pareil. C'est une bonne surprise. Il fait un temps superbe, tu ne trouves pas ? Poppy, où est-ce que tu en es ? Il vaut mieux que tu vois ça de tes propres yeux. Ne t'en fais pas, nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Reste là. Céleste, elle est magnifique, tu ne trouves pas ? Vas-y, présente-toi à elle. Mais attention, il faut toujours faire preuve d'une grande politesse en abordant un hippogriffe. Je le savais. Je n'avais jamais vu un hippogriffe apprécier quelqu'un aussi rapidement. Tu peux la nourrir et la brosser si tu veux. Je viens lui rendre visite de temps en temps. Je lui apporte des pâtisseries, je lui donne des nouvelles du château. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle raffole des ragots. Alors, qu'as-tu pensé d'elle, Céleste ? Je l'ai trouvée fantastique. Je n'en reviens pas que tu me l'aies présentée. Je me doutais que vous vous entendriez bien. Tu as quelque chose à voir avec les hippogriffes que les élèves ont aperçus au-dessus de la forêt interdite ? Peut-être. Tu savais qu'une fois qu'on a gagné la confiance d'un hippogriffe, on peut compter sur lui pour toujours ? J'ai pu le constater grâce à elle. Comment avez-vous fait connaissance, elle, Céleste, et toi ? C'est une longue histoire. Je l'ai sauvée des braconniers il y a quelques années. Je l'ai mise à l'abri, et tout allait bien. Jusqu'à récemment.
Tu as peut-être remarqué que les braconniers posaient problème par ici. J'ai peur qu'ils s'en prennent de nouveau à elle. Et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là. Le professeur Owen a aussi parlé des braconniers. Elle semblait insinuer qu'on ne pourrait pas compter sur l'aide du ministère. Je suis rarement d'accord avec le professeur Owen, mais sur ce point, j'ai bien peur qu'elle ait raison. L'influence des braconniers augmente. Je les vois chaque jour au village. Ils rôdent, ils parlent aux habitants. Ils mijotent quelque chose. Mais j'ignore quoi. En effet, ça paraît bizarre. On dirait qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup. Exactement. Je pense que je vais devoir creuser pour en découvrir un peu plus. Je veux savoir ce qu'ils préparent. Je trouve que c'est une bonne idée. L'information est la clé du pouvoir. Et plus j'en saurai, mieux je pourrai protéger elle, Céleste. Tu sembles déterminée. Tu me diras ce que tu découvres. Oh, entendu, je n'y manquerai pas. Je dois y aller, mais j'espère qu'on se reparlera bientôt. Bonjour, j'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour ?
Les yeux sauts. Attention à ce que tu fais. Revelio. 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 En route pour de nouvelles aventures ?
Revelio. Étonnamment, je n'avais pas anticipé que je trouverais le cours de divination aussi ennuyeux. Qu'est-ce que c'est que ça? J'espère que ces devoirs ne vous ont pas semblé trop faciles. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve? Je vois de bonnes choses. Après tout, l'avenir m'appartient, et je prendrai ce qui me revient. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les plus volontaires peuvent en changer la teneur. Et vous, vous ne semblez pas manquer de volonté. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent. J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Canalisez votre magie vers votre cible. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement? Excellent. Je crois que vous avez compris. Les vieux sont... Vous allez devoir cesser de vous entraîner et mettre vos compétences à l'épreuve, hors de la classe. Professeur, auriez-vous un moment? Bien sûr. Je me demandais pourquoi vous aviez décidé d'enseigner la divination. Ah, bien qu'il soit important, l'art de la divination est une branche de la magie bien souvent incomprise. Rares sont ceux qui possèdent la double vue. Et comme c'est souvent le cas pour les exceptions, nous sommes habituellement mal compris, voire craints. Lorsque l'on m'a proposé d'enseigner mon don et le bien qu'il pouvait apporter, j'étais très reconnaissante. Je vois. Nati m'a dit que vous aviez déménagé ici depuis l'Ouganda, où elle allait à l'école de Ouagadou. Oui. Natsai et moi adorions Ouagadou et l'Ouganda. Mais nous nous sentons bien ici, désormais.
J'avais anticipé un changement, mais j'ignorais les détails avant que cela ne se produise. J'étais ravie du résultat. Il serait sage de se rappeler que les conséquences de nos actes sont complexes et que prédire l'avenir n'est pas aussi simple que regarder dans une boule de cristal ou scruter le fond d'une tasse. Je trouve ça vraiment intriguant, même si je ne comprends pas tout. Intriguant, c'est le mot. Je suis certaine que vous finirez par mieux comprendre beaucoup de choses dans les prochains jours. Vous êtes élève à Poudlard, après tout. Vous avez sûrement remarqué que, dans le monde des sorciers, nous explorons en permanence l'inexplicable. Bien sûr, professeur. Bien. Je sais que vous et moi avons affaire. Pas parce que je suis dotée de la double vue, mais parce que je suis professeur et que vous êtes élève. Notre conversation était agréable. Tu es à moi à présent, demi-guise. Révélio. Voyager était incroyablement pénible.